Les mystères de l'amour 26x19, Béatrice de retour, Cathy lui manque, Tania a menti pour Clémence. Clémence n'a jamais été avec Tania. Pierre fait ses excuses à Jeanne et ça marche. Béatrice est de retour et Béné a un admirateur secret. C'est parti pour les mystères de l'amour saison 26 épisode 20 en avance avec une diffusion le dimanche 12 septembre 2021. Vous pouvez lire le résumé intégral de l'épisode précédent et l'M de la 26x18 en ligne. Olga et Jimmy continuent de se voir en cachette, ils la déposent avant d'arriver au water sport. Victor était à vélo, il les a vus en voiture précédemment. Olga tente de se justifier, elle dit Jimmy était dans mon quartier car il avait un rendez-vous, il est venu me chercher. Bob et Hélène reçoivent la visite d'Edouard du ministre des Affaires étrangères, il leur annonce que les négociations ont échoué. Une opération militaire va être lancée. Tania dit à Nicolas et José qu'elle aurait dû surveiller Clément. Elle pense que Clémence est partie avec Michael. José doute des propos de Tania alors que Nicolas lui fait confiance. Tania a bien menti, elle dit à sa gouvernante qu'elle est contente car Nicolas n'a pas cru José, qui a découvert la vérité de son côté. Tim pourrait être mêlé à un trafic de guitares. Christian et Fanny décident de se rendre dans un magasin de musique qui pourrait être impliqué. Ils décident de proposer au patron un partenariat par rapport à la tournée. Fanny demande s'il n'y a pas de contrefaçon. Et l'homme a eu un différend avec Tim qui a tenté de l'escroquer. Il a envie de porter plainte contre Tim. Étienne débarque à la maison, c'est Jeanne qui vient lui ouvrir. Étienne se joint au petit déjeuner avec les filles en terrasse. Pierre dit à Cathy qu'il ne peut plus coucher avec elle car elle est mariée. Cathy le rassure en disant que c'est juste un mariage à Las Vegas. Pierre dit stop. Et débarque avec un bouquet de fleurs pour s'excuser auprès de Jeanne. Pierre a raconté un bobard et Jeanne, folle amoureuse, semble y croire. Cathy découvre que Julien a gardé contact avec Béatrice. Celle-ci a envie de pouvoir s'expliquer avec Cathy. Au final, elle débarque au studio pour s'excuser toutes les séquelles qu'elle a faites. Béatrice dit à Cathy qu'elle lui manque, elle compte vraiment pour elle. Béné reçoit un bouquet de fleurs au water sport, il y a une petite carte « Vous êtes celle que je cherche depuis toujours ». Mais elle n'est pas signée. Béné n'arrive pas à savoir qui c'est. En fait, Béné se rend compte qu'Aurélie a publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Nicolas avoue à José qu'il aime bien Tania. José a peur qu'il soit en train de tomber amoureux. Plus tard, ils viennent chercher Hélène à la sortie du boulot. Chacun se demande des nouvelles de Blake et Clémence. Hélène propose à Nicolas de revenir à la maison le temps que Clémence revienne. Nicolas dit qu'il va y réfléchir. Fanny est inquiète, elle rappelle Stéphanie pour avoir des infos sur la vidéosurveillance où Tim a été aperçu. En fait, Tim est retenu prisonnier. Mais Birdie débarque pour le libérer mais trop tard ses frères débarquent. Les frères, Paul et Baptiste, estiment que Tim a déshonoré Birdie car il l'a quitté. Ils veulent que Tim épouse Birdie, sinon il le tue.